Salut tout le monde et bonne année 2020 à tous. Je vous l'ai pas encore souhaité ici, ça y est, c'est fait. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, que tous vos souhaits, que tous vos vœux se réalisent. Santé, fortune, amour, amitié, voyage, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, puisque c'est la nouvelle année, on va parler de ça. Alors, j'aime pas trop les résolutions, ce genre de trucs, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Et du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire autre chose, qu'on pourrait faire un petit exercice ensemble pour bien commencer l'année 2020 et pour savoir ce qu'on veut en 2020 sans se mettre de pression. Voilà. Alors, si vous voulez participer à ce petit exercice et bien commencer 2020, faites pause, allez vous chercher un cahier et un bic. Allez-y, j'attends. Voilà, vous avez votre cahier, votre bic. En fait, c'est très simple. Au début, je me suis dit, on va noter tout ce qu'on n'a pas aimé en 2019 sur une feuille et on va la brûler pour se débarrasser de tous ces petits trucs négatifs de 2019 qu'on ne veut plus et vraiment leur dire au revoir. Mais après, je me suis dit, de 1, bah, j'ai pas envie de repenser aux trucs négatifs qui se sont passés. Voilà, ils ont eu lieu, c'est la vie, tout ne peut pas être toujours positif tout le temps. Mais voilà, c'est passé, c'est passé. Donc non, on va pas faire ça. Et puis 2... brûler un morceau de papier, ça peut être dangereux, surtout quand vous êtes aussi empoté que moi. Donc voilà, on va pas faire ça, on va partir sur tout à fait l'inverse et on va noter 5 choses, les 5 choses qui vous ont vraiment fait du bien en 2019, que vous avez vraiment apprécié, que ce soit passer du temps avec votre famille, découvrir de nouveaux pays, manger, je ne sais pas, tout ce que vous avez vraiment apprécié, les moments forts de 2019, on va noter ça tout de suite. Allez-y, je note les miens. J'ai les 5 choses que j'ai le plus aimées en 2019, donc je vais vous les dire tout de suite. Dites-moi les 5 choses que vous avez vraiment appréciées en 2019 en commentaire, comme ça je sais. Et puis c'est noté quelque part, c'est indélébile, ils sont sur la toile, vous ne pouvez plus les effacer. Et si jamais vous avez un petit coup de blues, vous retournez voir ces 5 choses et vous en faites une tout de suite. Alors en premier, c'est mes amis, passer du temps avec mes amis. Franchement, elles sont toujours là pour moi et je passe que des bons moments quand je suis avec elle, même si c'est pour aller au sport. Hein. Alors en numéro 2, j'ai mis voyager. Pour moi, les voyages, c'est vraiment ce qui me remplit le plus de joie. Par exemple, en début d'année, c'est une période qui est toujours un petit peu difficile, un petit peu déprimante parce que on rentre dans l'hiver, l'hiver est long, on retire nos décos de Noël, tout d'un coup il fait triste, il n'y a plus toutes ces paillettes, toutes ces illuminations qu'on aimait tant au mois de décembre. Et moi, ce qui me permet de passer au-dessus du blues du mois de janvier, du mois de février, c'est de programmer des petites escapades ou même de programmer des gros voyages. En 3, ma famille. Et quand je dis ma famille, c'est vraiment ma famille en entier. J'adore passer du temps avec eux. J'aime beaucoup passer du temps avec ma maman. Comme vous le savez, je voyage souvent avec elle, avec mon papa, avec mes frères, avec les enfants de mes frères qui sont en train de grandir et c'est juste génial. Mais il n'y a pas que, il y a mes cousines que j'adore. Et puis bien sûr, bah, dans ma famille, il y a aussi mes chats. Voilà, c'est con mais j'adore passer du temps avec les chats et je trouve que je ne le fais pas assez. Donc en 2020, je vais essayer de rester un petit peu plus à la maison et de passer un petit peu plus de temps avec elles parce que je sais qu'elles aiment quand je suis là. Alors en 4, c'est manger. Vous savez que j'adore la nourriture, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris. Je partage tout le temps de la bouffe, que ce soit en story, que ce soit en photo. J'adore manger et c'est un truc qui me fait plaisir. Donc en 2020, je vais continuer à manger, que ce soit de la nourriture saine, de la nourriture pas saine. Je m'en fous, en fait, on ne vit qu'une fois, je vais pas me priver. Si ce jour-là, j'ai envie de manger sainement, si cette semaine-là, si ce mois-là, j'ai envie de manger sainement, je mangerai sainement. Et puis soudain coup, j'ai envie d'une grosse crasse frite, d'un truc bien gras, bien dégueulasse, je le ferai aussi. Franchement, il faut arrêter de se rendre misérable avec notre poids, avec notre corps. Il faut juste écouter ce que notre corps, ce dont notre corps a envie le jour même. Et puis voilà. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous dis que je prends pas de résolution. Parce que je trouve ça beaucoup trop contraignant et ça met trop de pression. En fait, si vous vous dites, ouais, allez, le 1er janvier, je recommence le sport, je recommence à manger sainement. Meuf, c'est bon, il n'y a pas de rush, enfin, tu fais ce que tu as envie, tu fais ce dont ton corps a besoin. Si tu as envie de reprendre le sport, good for you. Si tu as envie de rester dans ton divan et de rien faire, franchement, c'est pas parce qu'on est en 2020 qu'il faut changer absolument tout, qu'il faut être une nouvelle personne. Fais juste ce dont tu as envie de faire et arrête de te mettre la pression. Voilà. Et enfin, en numéro 5, j'ai mis partager avec vous parce que faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose que j'adore, faire les montages, trouver des sujets. J'aime vraiment faire ça avec vous, mais ce que j'aime encore plus, c'est vos commentaires. C'est quand vous venez me parler sur Instagram, qu'on discute, qu'on parle fringues, qu'on parle bijoux, qu'on parle bouffe,
qu'on parle voyage, j'adore ça. Et c'est vraiment, j'ai l'impression en fait que je parle avec des amis et c'est vraiment un moment de partage que j'aime plus que tout. Donc j'espère que ça continuera encore en 2020 parce que c'est des moments qui me font toujours... Je sais pas, si ma journée s'est mal passée, et puis à un moment, il y a une de vous qui vient me dire « Franchement, j'ai trop aimé ta vidéo » ou « Ah, ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait une amie qui prenait mes nouvelles et j'adore ça. Donc voilà, j'espère continuer ça en 2020. Et puis voilà, pour mes 5 points positifs de 2020. Donc j'attends vos 5 points positifs en commentaire. Et surtout, comme je vous dis, arrêtez de vous prendre la tête. On s'en fout, le summer body, on l'aura pas, on s'en fiche, l'important c'est d'écouter votre corps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme c'est la toute première vidéo de 2020, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé voir sur ma chaîne en 2019. Si vous avez aimé les voyages, les fringues, les astuces, les trucs écolo, ce que vous aimeriez voir en 2020. Je suis à votre écoute à 300%. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.